le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo de présentation. Voilà, j'ai fini l'album mariage. Voilà, petite commande qu'on m'avait passée pour un album mariage. Mais avant de vous le montrer, j'ai ma petite nièce qui est allée faire un petit tour chez Action. Voilà. Donc, pas de nouveautés. Chez nous, on n'avait pas encore de nouveautés. Oui, je suis une menteuse. Il y avait un dice de la nouvelle collection avec, vous savez, des dice pour faire les étiquettes, tout ça, avec le visage de la femme là sur les cartons un peu large, un peu long. Voilà. Donc, je ne l'ai plus parce que je l'ai offert. Voilà. Je l'ai offert au Fadoli de Marseille. Ah, vous le connaissez, le Fadoli de Marseille. J'ai envoyé une petite cartounette. Bon. C'est vrai, dans mon élan, j'ai oublié de la signer. Mais ben, j'avais marqué hi, hi, hi. Vous savez que moi, c'est ma référence. Quand je marquais des trucs, je marque hi, hi, hi. Voilà. Et il ne m'a pas reconnu, le Fadoli. Non, mais franchement, sincèrement, hein, ça me fera pas dingue. Mais rien que pour ça, je vais balancer. Voilà, je vais te balancer parce que c'était son anniversaire. Voilà, pour le mois de juillet. Et c'était le 14. Voilà, je balance, c'est ta punition. Donc, si tu voulais pas que ça soit dit, tant pis pour toi. Voilà, ce Fadoli, j'ai fait une petite cartoulette et il m'a pas reconnu. Là, mais franchement, oh, faut pas les vivre. Voilà, qui c'est qui marque hi-hi-hi dans les commentaires et que moi qui marque hi-hi-hi, fait je passe. Bon, après, il a dit, ouais, peut-être bébé, mais je sais pas. Non, non, tu t'es manqué. Bon, on s'en fout. C'est pas grave. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle m'a trouvé. Donc, un joyeux anniversaire encore au Fadoli de Marseille. Donc, il y avait ces trois petits rubans comme ça, hein, voilà, avec des petites roses. Voilà, elle m'a trouvé ça. Elle m'a trouvé des dies, alors ceux-là. Voilà. Elle m'a trouvé celui-ci aussi. J'avais rien sur le mariage, voilà. Mais je ne l'ai pas utilisé dans mon album. Parce que tout simplement, je trouvais que ça n'allait pas avec le style de mon album. Voilà. Je trouvais qu'avec mon papier, ça allait pas bien. Voilà, après, c'est une question de goût. Et elle m'a trouvé celui-ci. Voilà. Puis, elle a trouvé, alors, des blocs, mais peu cher. Voilà, peu cher, non, pas plus cher. Elle était un peu deg d'avoir trouvé que ça. Mais bon, voilà. Moi, ça m'a fait énormément plaisir. Parce qu'en plus, ceux-là, eh ben, je ne les avais pas. Donc, voilà. Mais c'est pas des nouveautés. Hein, voilà. Donc, c'est les... Le vintage, voilà, celui-là je l'avais pas et comme j'aime souvent faire du vintage, voilà, ça me plaît énormément, donc je suis trop contente pour ce bloc, voilà, faire des fonds et tout, voilà. Mais il ressemble un peu au baroque. Il y avait un comme ça qui était dans le violet, s'il me semble bien, j'avais fait une créa avec, voilà. Or, celui-ci, le shabby chic, je le trouve très, très joli. Voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, on fera une petite cartounette. Voilà, moi, c'est ces images qui me font bien kiffer. Voilà. Ce style-là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc faire des petites cartounettes avec ça. On a des effets faux bois. On a... Voilà, j'aime beaucoup. C'est très très joli. Voilà. Et puis elle a trouvé celui-ci. Alors vous voyez, donc c'est pas des nouveautés. Hein, c'est l'automne. C'est. Mais il est très joli aussi. Voilà. Il y a même des couleurs qu'on peut utiliser pour Noël, moi je trouve. Voilà. Donc voilà, on a des faux bois, là on a des petits écureuils, des petits lapinous, des petits hérissons pour faire des créas d'automne. Voilà. Et je suis encore
plus contente parce que je les avais pas. Voilà. Donc nous, voilà. Moi, quand j'avais été chez Action, bon après, voilà, je vous cacherai pas, je suis pas tous les 15 jours chez Action. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'on dit, nous, dans le sud, on n'a pas, mais peut-être qu'on a, mais enfin, moi, hein, particulièrement, comme j'y suis pas souvent. Donc je dois rater plein d'occasions, voilà, parce que comme j'expliquais, voilà, moi, comme je dis tout le temps, scraper, ça reste un loisir, d'accord. Mais après, voilà, tout dépend du budget, de la bourse des gens. Voilà, je ne critique aucunement les filles qui y sont souvent, qui achètent énormément et qui se font plaisir. C'est leur délire, c'est leur bonheur, c'est leur bien-être. Moi, je dis chapeau, bravo. Voilà, moi, j'ai pas, comme je vous dis chaque fois, moi, j'ai pas à critiquer. Moi, je regarde d'abord ce qui se passe chez moi avant d'aller fourrer mon nez chez les autres. Voilà, comme on dit toujours, hein, on nettoie ce qu'on a accroché au derrière avant d'aller nettoyer le cucu du voisin. Voilà. Mais moi, je sais que, voilà, j'ai un très petit budget pour scraper. Je m'en contente. Voilà. Donc, c'est vrai que des fois, quand je vous dis, nous, on n'a pas... Bon, c'est vrai que c'est très long d'arriver dans le sud, hein, parce qu'il y a beaucoup de copinettes qui nous disent, voilà, dans le sud, dans le nord, ça arrive de suite. Nous, on le reçoit peut-être 2-3 mois après. Voilà. Mais moi, pour ma part, je suis pas souvent chez Action, donc peut-être que je passe à côté de beaucoup de choses. Voilà. Bon, sur ce, ma petite parenthèse est terminée et je vais vous montrer mon petit album moumou de mariage. Voilà. Alors, il n'y a rien de transcendant, hein. Il n'y a pas de pop-up, de trucs comme ça, parce que voilà, j'ai fait un peu traditionnel, je l'ai fait à, comment je pourrais dire, à l'instinct de mes amis, on va dire comme ça. Donc là, la couverture, voilà, papier de fond, petit galon autour. J'ai découpé. Là, j'ai joué avec deux collections de papier. Hein. C'est pas une collection Stamperia. Après, vous dire exactement le nom. C'est papier mariage. Hein. Il n'y en a pas énormément. Hein. Je crois qu'il y en a deux. Hein. Voilà. Donc, alors là, j'ai découpé. J'ai mis de la dentelle dessous. J'ai fait tout le tour avec mes petites perlounettes, ça vous savez que voilà. Ici, oh, je l'ai tout écrasé. Oh. Voilà, on a un petit nœud d'organza. On avait trouvé ces rouleaux chez Action, hein. En plus ça tombait bien. Il était dans le gris perle et le blanc. Voilà, j'ai mis un petit cœur ici en pâte, texture. Là, c'était un petit couple que j'avais trouvé, je ne sais plus où, ou que c'est une copinette qui me l'avait offert, je ne me rappelle pas, voilà, parce que j'avais trouvé des trucs à la foire fouille, mais voilà. J'ai mis deux petites fleurs, voilà, sur des rubans de dentelle que j'ai découpés, je les ai mises sur mon ruban là. Le galon, derrière, voilà, avec de la dentelle, toujours pareil, le petit galon. Et pour fermer l'album, ça sera avec un ruban organza plumeti. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Alors ici, sur la première page 1, vous voyez, j'ai été trop vite. Voilà. Je le colorerai après, j'en ai oublié. Voilà. Il y a mon petit ruban qui va venir se coller ici. J'ai fait la vidéo avant de... Vous voyez, ben c'est bien. Bon, je m'en serais aperçu parce que... Voilà. Mais... voilà. Alors ici, j'ai laissé tout simple parce que je trouve que cette robe-là est magnifique. Il y a juste un rang de dentelle ici. Par contre, j'ai sur la robe de la mariée,
J'ai joué avec des petites fleurs en céramique que j'ai mis en relief sur des petits nœuds. Voilà. Et ici, j'ai fait un coin de dentelle avec les perles, des petites perles grises. Alors ici, donc ici, je colorerai le rubanou. Alors ici, c'est tout simple. On a une petite flipette ici. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et au choix, on pourra mettre deux photos ici. Voilà, il n'y a vraiment rien de, comme je vous ai dit, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, j'ai surtout joué avec les dentelles, les découpes, les nœuds. Voilà. Donc lui, je vais le lever, je vais le mettre là. Alors ensuite, sur la page d'après, ici, ça se relève comme ça. Donc ici, on a une partie pour mettre les photos et j'ai glissé des petites cartes de la collection. Hein, toujours pareil pour l'emplacement pour des photos derrière. J'ai fait une petite pochette de dentelle. Enfin, de dentelle, façon de parler. Ici, j'ai mis des petits coins en dentelle, on peut y glisser des choses. Là, j'ai reproduit le même avec les coins et j'ai glissé les petites cartes, voilà, qu'il y avait dans la collection. Collection, collection, la collectionner. Voilà. Et ici, c'est tout simplement des petits rabats. Voilà. Alors ici, on a la cascadounette qui est un peu particulière. Enfin, particulière. J'en avais fait une avec vous en tuto, me semble. Voilà. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Ici, on a des belles. Oh, fan de chichoune. Appelez-les Pompéo. Ici. Voilà, avec des petites fleurounettes. Ici, ça s'ouvre comme ça. Et là, on descend. Et on a le pied, notre cascadounette qui défile. Donc, on peut mettre derrière les photos comme on veut. Voilà. J'ai juste le pied de. Où mon téléphone est posé, donc voilà, c'est aimanté, hein. Voilà, la fermeture est aimantée. Voilà, donc je vous disais tout simple. Oui, j'ai vraiment joué avec tout ce qui est perles, dentelles, voilà. Donc à chaque fois là, vous voyez, j'ai mis un coup un petit ruban gris, un coup un petit ruban rose avec des cœurs. Voilà. Alors ici, on passe à la partie mec. Eh oui, parce que dans un mariage, il faut y passer quand même un peu, non? Eh, c'est le but du jeu quand même. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça, tout simplement. Là aussi, j'ai reproduit enfin, mon costume. J'y ai mis de la dentelle dessous avec la petite rose. Ici, j'ai fait un petit nœud de satin. Voilà. Je vous dis, c'est vraiment très, très simple. Alors ici, j'ai joué avec le gâteau. Voilà, je me suis régalée. Mis des petites perles, des petites fleurs, voilà, j'ai refait le gâteau, donc là c'est plus simple. Et là, tout simplement, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, voilà. Donc on a recto et verso, c'est de très belles cartes de la collection. Voilà. Le seul petit reproche que j'aurais à faire dans ce papier, c'est que il y avait deux fois les mêmes. On avait deux feuilles avec toutes ces cartes-là. Voilà, je trouvais qu'il manquait un peu des grands papiers comme ça. Mais bon, voilà, on s'en est sorti quand même. Hein. Donc ici, voilà, aussi, on l'a fait ensemble, une flipette là. Mais là, tout simplement, au lieu de faire le petit carré, j'ai laissé un cœur. Voilà. Toujours pareil. Hein. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous dis. Il n'y a vraiment pas de pop-up. De... Voilà. Parce que quand on fait du...
Et moi, pour ma part, quand je fais du pop-up, si vous ouvrez que les cartes doivent s'ouvrir, voilà, déjà, c'est assez réduit pour les photos. Et puis, le papier, je ne peux pas jouer à l'intérieur de mes cartes comme je vais jouer là, vous voyez, avec des... Oui, sur le dessus, mais après l'intérieur, c'est un peu plus délicat. Enfin, voilà, j'en ai fait du pop-up, mais voilà, pour un autre style d'album. Voilà, là, j'en ai pas fait beaucoup. Je voulais mettre beaucoup de dentelle, de trucs comme ça, mais malheureusement, après, quand on ouvre un pop-up, il faut que l'intérieur reste lisse, il n'y aurait eu qu'un papier, voilà. Donc, j'avais pas trop envie de faire beaucoup de pop-up pour un mariage. Voilà, il y avait juste une cascade qui s'ouvre un peu comme ça, et puis voilà. Donc là, pareil, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Ici. Voilà, parce que c'est ce que je vous dis, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de variété dans cette collection. Voilà. Pourtant, j'adore les papiers estampéria. Là aussi, c'est aimanté. Voilà, mais là, dans cette collection, bon, j'en ai pris deux blocs, hein, parce que voilà, rien qu'avec un bloc, c'est trop juste pour faire un album. Mais je trouvais que deux fois la même page avec les cartes, c'était un peu dommage. Voilà. Et ici, pour finir, voilà. Donc, voilà, ça c'est de l'autre collection aussi. Donc, j'ai trouvé que cet arceau de fleurs là, c'était très joli. J'ai fait une autre petite pochette. J'ai remis, vous voyez, des cartes encore. Voilà. Avec les photos. Si on veut en mettre ou pas. Voilà. Et là, c'est une petite pochette toute simple. Et j'ai repris d'une autre collection aussi. Avec mes petits oiseaux. Là, la petite pochette, j'ai remis des perles. Et la petite rosette. Voilà. C'est vraiment un petit album là aussi. J'ai mis une petite plume blanche. Voilà. Avec mes fleurs. Voilà. Un petit cœur. Voilà. J'ai joué avec beaucoup de dentelles, de choses comme ça, voilà. Bon, après, quand on fait quelque chose, hein, voilà, on a une idée, on la suit, voilà. Ben écoutez, les copineaux, les copinettes, j'espère. Ah, j'ai le petit fil qui dépasse. Voilà. Impeccable. Voilà les copinous, les copinettes. Eh bien, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais là il y a une petite fleur qui s'est fait la malle. Il faut que je remette un petit point de colle en août. Voilà, donc les copinous et les copinettes, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pris plaisir à le faire, comme d'habitude, hein, parce que quand ça ne nous plaît pas, ben, on ne le fait pas. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai suivi mon idée. Comme je vous dis, j'ai beaucoup travaillé sur les pages avec de la dentelle, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'après, l'album par lui-même, il n'est peut-être pas exceptionnel dans la confection, on va dire, voilà, des pages. Voilà, les copinous, les copinettes, eh bien, écoutez, j'espère, là, je profite du beau temps sur Marseille, voilà, on a beaucoup de chaleur, on a l'eau qui est montée à 23 degrés, donc, je vous dis pas, on va prendre des petits bains, ça fait du bien. Voilà, donc, je pense revenir pour qu'on se fasse deux ou trois petites cartounettes. Hein. Si ça vous dit, voilà. Si ça vous dit pas, ben je fais pas de vidéo, c'est pas grave. Hein. Voilà. On dirait qu'en ce moment, alors je sais pas si c'est moi qui en fais moins,
J'ai l'impression que ça intéresse pas trop ce que je fais, donc je me précipite pas pour faire des vidéos, voilà. Donc à vous de me dire si vous avez envie qu'on passe un moment ensemble ou si vous n'avez pas envie, comme vous voulez. Voilà, vous me le marquez en commentaire, là je vous répondrai plus rapidement. Voilà, parce que ces derniers temps, c'est vrai que je mettais du temps à répondre à mes vidéos et ça ne me plaît pas. Voilà. Donc sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vais rattacher mon petit ruban. Je vais remettre une petite pointe de colle sur ma petite rose parce que je l'avais mise. Et j'ai dit, je reviendrai pour la recoller comme il faut. Et puis, je ne l'ai pas fait. Je voulais que je vous dise, j'ai la tête à la mer. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais plein, plein de gros, gros bisous. Oui, 21 minutes que je parle, que je parle, que je raconte ma vie. Voilà, sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez, hein. Voilà. Et si vous avez envie qu'on fasse une petite vidéo ensemble d'une cartoonette ou voilà. Ou d'un ATN, NaténaP, assorti à la carte. Voilà, on fera quelque chose. Voilà, sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.